Coucou à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et on va débuter 2020 avec une recette que j'affectionne. C'est le risotto courgette lardon. Donc, il y a besoin de très peu d'ingrédients. Elle est facile à faire et rapide. Donc, il va vous falloir un oignon émincé. Vous pouvez utiliser une échalote si vous voulez. Une courgette coupée en rondelles puis coupée en deux. Deux verres d'eau. Un demi-verre de vin blanc de cuisine, un verre de riz arborio, donc du riz pour risotto, une noix de beurre, 100 g de lardons nature, du sel, du poivre et un bouillon de volaille. Donc pour commencer, on va préchauffer le cookéo, on va le mettre en mode doré. Alors mon préchauffage est terminé, donc j'ajoute ma noix de beurre dans ma cuve, mes 100 g de lardons, et ensuite mon oignon émincé. Je mélange le tout. Et je fais revenir pendant 3 minutes en mélangeant, hein, évidemment. Au bout des 3 minutes, je rajoute mon verre de riz à risotto. Donc voilà. Et je mélange bien jusqu'à qu'il soit translucide. Voilà, pas trop non plus, juste ce qu'il faut. Mélangez, vous surveillez bien. Voilà, c'est histoire de 1 minute, hein, vous mélangez, voilà. Voilà. Pas trop que ça accroche non plus. Ensuite, vous rajoutez votre courgette coupée en morceaux. Le demi-verre de vin blanc. Le premier verre d'eau. Et le deuxième. Mélanger. Et là, on va pouvoir ajouter le bouillon de volaille émietté, un peu de sel, pas trop parce qu'il y a les lardons, et un peu de poivre. Voilà, j'ai rajouté mon bouillon de volaille émietté. Je vais mettre un petit peu de sel. Et je vais un petit peu poivrer. On mélange bien le tout. Voilà, une fois que vous avez bien mélangé, vous programmez votre cookéo pour 10 minutes en cuisson rapide. C'est parti pour 10 minutes. Mon risotto est cuit. Donc regardez ce que ça donne une fois la cuisson terminée. Voilà. Et regardez. Tout est parfait.
parfaitement cuit. Ça sent super bon. Voilà, donc j'espère que ma recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou si vous avez des idées de recettes que vous voulez que je vous propose, marquez-moi un petit message en commentaire, voilà. Je les lirai, vous répondrai avec plaisir et j'essaierai de vous mettre des recettes qui vous intéressent. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.